tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça résonne pas trop parce que je suis dans la chambre d'Arthur. Vous pouvez voir son petit bordel derrière. Juste pour vous dire qu'à partir de maintenant, les let's play que vous verrez sur YouTube ne sont plus des let's play des Sims que j'enregistre de mon côté. C'est des let's play, c'est des rediffusions des lives que je fais sur Twitch. Plusieurs fois par semaine, je fais des lives où on blablate et on joue aux Sims 4. Et je fais un petit montage, c'est-à-dire que ce que vous allez voir à partir de maintenant, les let's play, c'est une version condensée des lives puisque les lives durent en moyenne 2 à 3 heures. Normalement, si je calcule bien, un live de presque 3 heures, je le condense en 2 épisodes d'une demi-heure en gros. C'est-à-dire que tout le reste, c'est des blablas, des petits délires et tout que vous ne verrez pas du coup sur YouTube parce que sinon ça vous ferait des vidéos trop longues. Mais que si vous me suivez sur ma chaîne Twitch, vous pouvez venir voir en direct. Donc, je vous remets le lien en barre d'infos de ma chaîne Twitch. J'ai pas de petits programmes de précis. Je live quand j'ai envie et quand la connexion internet le permet. Mais sachez que si vous me suivez sur ma chaîne Twitch et que vous êtes abonné à cette chaîne, vous recevrez normalement une petite notification dès que je lance un live. Mais de toute façon, avant de lancer un live, je vous préviens toujours sur Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, sachez que si vous voyez que je parle à des personnes dans les prochains let's play à partir de maintenant, c'est normal, c'est parce que je parle aux personnes qui étaient présentes lors du live et qui me parlaient dans le chat. Donc voilà. Si vous me suivez donc sur Twitch et que vous êtes là un soir quand je ferai un live, sachez que vous pourrez parler avec les autres personnes dans le chat et participer aux actions en fait de la vie de mes Sims. Voilà, je vous laisse avec la continuité des aventures de Nina et Trevis. Et pour avoir déjà fait une semaine entière de live, je peux vous dire tout de suite qu'il va y avoir pas mal de let's play en rediffusion ici. Et ça avance pas mal dans la vie de Nina et Trevis. Voilà, il y a beaucoup d'avancées pour ceux qui n'ont pas du tout vu les lives. Je pense que ça va vous plaire parce que ça avance bien et c'est du concret. Voilà, donc je vous laisse ici. J'espère que ces let's play vous plairont. Pour vous, ça ne change pas grand chose. C'est juste que voilà, je cut quand on fait des petits délires ou quand on parle pas mal ou quand on met 30 ans à choisir tous ensemble de la déco. C'est des moments qui sont sympas en live, mais c'est vrai que pour des rediffusions sur YouTube, voilà, c'est pas très intéressant de vous les laisser. Mais sachez que si vous voulez participer activement à la vie de Nina et Trevis et à mes choix pour eux, pour leur maison et leur futur, tout se passe lors des lives sur Twitch. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que vous serez nombreux à suivre les aventures ici et lors des lives. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec le let's play et je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir. Alors, faut que je m'habitue un peu à regarder là. Je suis perdue parce que là, mon chéri m'a installé des trucs. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez? J'ai un écran avec tous les paramètres du live en fait. Il y a plein de trucs, des fenêtres, des trucs, machin et tout. Et je ne connais rien. C'est la première fois. Voilà. Tu t'en vas? Ah, tu me regardes pas en live sur la télé? Faut savoir que j'ai pas touché aux Sims depuis les derniers let's play sur la chaîne. Et mon chéri dit que ça doit faire au moins 6 mois. Je sais pas si ça fait aussi longtemps, mais ça fait longtemps. Si tu t'ennuies, tu viens me voir. Pourquoi? Il est content de se débarrasser de moi en fait, je crois. Tu vas faire quoi? Tu vas regarder la télé? Ok. Si tu veux me parler, tu viens. Mais attendez, j'arrive déjà pas. Ah. Alors faut savoir que je vais être paumée là. Je vais être paumée parce que même genre les touches et tout en 6 mois. Enfin, je sais pas si ça fait 6 mois que j'ai pas joué. Tu peux fermer la porte? Ça me gêne. Ça m'intimide que tu m'entendes. De quoi? Non, tu me regardes pas sur la télé. Ferme la porte. Bonne nuit, bonbon rose. Ah mais Sandra, je te jure, je suis en stress de fou. Mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller parce que j'ai les meilleurs abonnés du monde. Il va falloir que je m'y remette. Mais si on fait ça régulièrement, ça va rentrer. Est-ce qu'on m'explique pourquoi Nina a pris du gras souillé et Trevis aussi? Je crois que c'est parce qu'ils ont eu leur anniversaire. C'est quoi ça encore? Ah, mais c'était les trucs du printemps, mais on n'est plus au printemps, là. On est en quoi? Alors, on va refaire un tour de la maison pour ceux qui n'avaient jamais vu les let's play. Faut savoir que Trevis était un voisin. Je pense que tout le monde l'a dans les Sims, je crois. Non, c'est ça ou un vrai streamer? Mais regarde un vrai streamer, je m'en fous.
C'était un voisin que Nina, j'ai fait emménager Nina seule, si mes souvenirs sont bons. Bienvenue à Bidouyout. Oh, c'est trop marrant comme pseudo. Du coup, Nina avait emménagé seule quand je fais un Sims. Enfin, quand je fais une nouvelle partie, j'adore faire juste un Sims. Quand j'étais gamine, les Sims 1, donc ça date, hein. J'aimais bien faire direct la famille. Et maintenant, j'aime bien faire un perso seul et en fait lui faire rencontrer un voisin ou amoureux, blablabla et tout. En sachant que, alors attendez, j'ai les Sims saison. Donc là, on est en hiver, c'est le premier jour sur 7. Ah oui, on n'a pas encore vu la neige et tout. J'ai pas encore vu la neige, moi. Bienvenue, Memely. Alors oui, attendez, parce que là, je pars dans tous les trucs. Halloween est passé il n'y a pas longtemps. Normalement, j'ai un grenier. Alors attendez, je me suis fait un grenier. Voilà. Ça, c'est mon grenier et j'avais rangé les décos d'Halloween dedans. Quand c'était Halloween, il y a ça qui est apparu. Je sais pas si vous. Enfin, pour ceux qui ont regardé les let's play, vous aviez sûrement vu. Trois nains, comme ça. Faut savoir que moi, depuis chair de poule, quand j'étais gamine, j'ai la. Pas la phobie, mais j'ai peur des nains de jardin. Je crois que j'en aurai jamais dans mon jardin parce que j'ai peur qu'ils se réveillent la nuit. Voilà. Et oui, j'avais mis aussi les sachets de. C'est des sachets de graines. Ah, ça se vend cher! Pourquoi je les ai mis là et que je les ai pas vendus? Je suis sûre que c'est pas moi qui les ai mis, c'est les. Parce qu'en fait, je crois que c'est les nains qui font apparaître les sachets. Si mes souvenirs sont bons, c'est pour ça qu'il y en a encore en bas, parce que les nains se déplaçaient dans la maison et j'avais une frousse pas possible, parce que ça fait un son trop chelou. Et ils laissent des sachets un peu partout, mais alors du coup, si je peux les vendre, je vais les vendre. Parce que ça me sert à. Enfin, je vais pas les planter. Mais hein, comment on vend? Alors attendez, parce qu'il faut que je me souvienne. Non, pas du tout. Inventaire. Si je fais comme ça. Comme ça. Ah! Je peux pas vendre ou supprimer? Mais c'est n'importe. Je peux mettre au moins dans l'inventaire, ouais. Pourquoi on peut pas les vendre? Hop, hop, hop. Je peux pas les vendre du tout. Mais c'est naze. Parce qu'on pourrait se faire de la thune facilement. C'est les nains qui les donnent. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Hein. C'est. J'ai une mémoire de poisson, mais oui, c'était les nains. Ils en semaient partout. C'est pour ça qu'il y en a encore. Donc bref, il y avait. Donc je me suis fait un espèce de grenier. Il n'y a pas encore d'accès, mais c'est moi qui place les trucs. Qui place les trucs. C'est dans construction. Tu peux les vendre. Ah! Ah ouais? Attendez. Comment on revient dans construction? Là. On peut les vendre. Mais oui! Vendre. Ah, merci! Parce que, ah oui, pour ceux qui débarquent, je joue sans code. C'est mon objectif. Je n'ai jamais mis un seul code de triche. Tout ce que vous voyez là, je l'ai acheté. Stop! Tout ce que vous voyez là, je l'ai acheté. Non frauduleusement. Pas avec un code. Bon, je suis pas riche, hein, vous voyez, 4100 et des brouettes. Mais voilà, il n'y a pas de code. Et oh oui, c'est vrai. Mais oui, Monsieur Moustache. Alors attendez, attendez, parce que j'avais mes petits, voilà, mes petites habitudes. Oups, j'avais mes habitudes avec. Ah oui, alors moi, je rabaisse les murs. Par contre, je suis team sans les murs. Je suis désolée. Faut savoir qu'il y a un chemin qui passe. Quasi dans mon jardin. Donc on voit des voisins passer de temps en temps. Voilà. On dirait qu'il est habillé en scout. Ben, je pense qu'il est habillé en scout, le gamin. Donc c'est le premier jour de l'hiver, il y a encore des feuilles d'automne. Tout à fait. C'est tout à fait normal. Donc, on va peut-être commencer. Il y a du laisser-aller Trévis. Et en plus, ils sont déprimés. Pourquoi ils sont mal à l'aise? Qu'est-ce qui s'était passé? Déjà là c'est crade. Bon, on va peut-être jouer un peu. Il faut que je me remette un peu dans les. Ça y est, ça commence. Faut que je me remette un peu dans les contrôles et tout. J'arrivais super bien à switcher et tout. Et maintenant je suis un peu paumée. Monsieur Moustache a vraiment la classe avec son chapeau, mais trop. J'avais trop craqué pour lui. C'est pour ça que je l'avais pris. Bon là il fait dodo, mais du coup j'ai pas encore vraiment joué avec Monsieur Moustache parce que dans les let's play je m'étais arrêtée. On va mettre. Allez, on va mettre en direct et on va continuer à parler. Sinon on va jamais jouer. J'avais pas encore. Les let's play s'étaient arrêtés. Et donc mes parties de jeu s'étaient arrêtées au moment où
on avait adopté Monsieur Moustache et c'est tout quoi. Donc il n'y a pas Y a un encore eu espoir? beaucoup d'interactions avec lui. C'est quoi ces gifles là? Dis-moi comment t'as le flocon. Oh merci. Bienvenue à Brave Faya sur la girl. chaîne. Merci. Bonsoir Garfanchon. Du coup, pour ceux qui débarquent, c'est mon premier live Oh, sur Twitch. Si vous me voyez c'est galérer, c'est normal. Alors attendez. Attendez, attendez. C'est pas la première fois que je joue aux Sims, ça, mais ça fait 6 mois que j'ai pas joué pour ma défense. Mais je suis perdue. Les besoins, les besoins. Allô? On se réveille. Alors, les jours de boulot, on en est où? C'est pas là. C'est là. C'est pas là. C'est là, bien évidemment. Alors, travaille dans 2 jours. Et elle, travaille dans 24 heures. Ok. Non mais c'était quoi ce style? Regarde, non mais il y a trop du laisser aller, c'est pas possible. Ils étaient tout beaux quand ils étaient jeunes. Je dis pas qu'ils sont moches, mais elle fait quoi? Ah, elle nettoie. Ok, très bien. Wop, 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 qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Stop! Sermonné! Il va me détruire mon lit. Wow! Pourtant il a un griffoir. Oh, il abuse. Ah, il meurt si tu laisses un slip dehors? Non, c'est sérieux? Ah, parce que moi, vous savez que je stresse pour rien. Il a le droit d'être sur le lit. On peut contrôler Monsieur Moustache? Non, je crois pas. Hein. Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va faire des trucs intéressants, mais là, j'essaie de me remettre un peu dans le bain. Est-ce qu'on les ferait pas essayer de faire un bébé? Parce que c'est ce que tout le monde attend. Tous ceux qui ont suivi depuis le début, c'est ce qu'ils attendent. Je le sais. Mais je voulais faire un peu les choses dans l'ordre. Mais attendez, ils sont mariés ou pas, mes bonhommes? Trévis a froid. C'est vrai? C'est vrai? Ah, merci. Eh, mais heureusement que vous êtes là pour la reprise parce que là, je suis perdue. Alors, Trévis, tu vas te mettre en... Ça, c'est la tenue typique de pépère, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas moche. Moi, j'aimerais bien quand même que s'il va courir comme ça, est-ce qu'il va avoir froid? Il se frottait les bras. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe du tout. Oui. Mets le chauffage dans la. Mais ça, c'était pas ça le truc du chauffage? Ah, coût plus cher, c'est pas grave. Il faut mettre sa tenue temps froid. Ah, il y a une tenue qui s'appelle temps froid. Eh ben, je redécouvre. Hein. Enfin, en même temps, j'ai jamais vécu vraiment les saisons. J'ai pas beaucoup joué avec les saisons et j'ai jamais passé un hiver depuis que j'ai les Sims saison. Je suis tellement contente que tu streames sur Twitch. Bah, ça me fait plaisir parce que c'est mon premier stream. Et si ça vous plaît, j'en referai. Avec grand plaisir. Mettre sa tenue grand froid. C'est quoi là? C'est ça. Ah ouais, bah c'est la tenue moche qu'elle a mis. Oh non, mais ils ont une dégaine par contre. Du coup, est-ce qu'ils sont mariés? Je ne sais plus. Parce que je voulais les marier avant de faire un bébé. Mais bon, au pire, c'est pas grave. Parce que oui, j'en reviens à ça, c'est qu'ils vieillissent. Et qu'ils n'ont pas encore de gamin. Si je dis pas de bêtises, si les deux Sims meurent et que le gamin est encore gamin, la partie se termine. Il faut que le gamin soit adulte pour que vous gardiez la maison et tout. Il me semble qu'il y a une connerie comme ça. Il a vu un truc? Qu'est-ce qui se passe? Faire un câlin. On va leur faire un bébé. Est-ce que vous voulez assister à ça pour un premier live? Allez hop. Ah oui, mais alors attendez. Ah si, j'avais commencé à. Ça, c'est la future chambre du bébé, ce que vous voyez là. J'avais prévu. J'avais prévu. Bienvenue, Caro, sur la chaîne. Vous pouvez follow. Enfin, il faut être inscrit avant. Hein. Et ça vous dira si je refais un live ou pas. Oui, alors là, c'est la future chambre de bébé. Et j'avais mis quoi? J'avais mis des trucs au mur, non? Non. Stop. C'est ça. Ah non, oui, j'avais fait les murs jaunes parce que c'est ma couleur préférée. J'avais pas mis. Mais arrête de faire ça! Je peux pas voir. Ah ouais, ah si, j'avais mis ça. Enfin, je crois que c'était le truc de base où je l'ai mis. Je sais plus. Est-ce qu'ils vont avoir froid sous la véranda pour faire un truc de sport? Pas trop cher le tapis de course là. Est-ce que c'est. Ouais, on va peut-être prendre ça. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pour l'été, genre faire des batailles de bombes à eau. On va prendre ça.
Et puis on va leur faire faire. C'est pour. Je pense que ça se trouve. Je dis peut-être des conneries, mais si le Sims en vieillissant, il fait peut-être un peu de sport. Peut-être que il vit. Enfin, il vit plus longtemps. J'en sais rien en fait. Je sais pas. Le rouge est pas mal. Allez. On va le mettre où? Ça fait moche, hein, mais bon. Peut-être un jour ils auront une salle de sport. Quoi qu'ils sont déjà vus, hein, quand même. Je ne sais pas si on aura le temps de leur faire une salle de sport. Honnêtement. Alors, du coup. Avant d'essayer de faire un. Bah, quoi que. Allez. C'est la première fois que je le fais avec vous. Attention. Ça va peut-être pas marcher du premier coup, donc comme dans la vraie vie, mais moi je crois que ça marche du premier coup. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pour ceux qui ont déjà joué aussi? Parce que ça ne marche pas du premier coup. Ouais, parce que là, honnêtement. Honnêtement. Bah, ils se font vieux, quoi. Ils se font vieux. C'était où que j'ai vu ça tout à l'heure? Je ne sais plus. Éloignez les enfants des écrans. Attention, attention. Je reviens te voir un peu jouer au lieu d'avoir des frayeurs à cause des gens. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec les gens? Dans la vraie vie, des fois, ça marche pas du premier coup. Bah oui, je suis bien placée. Nous, on a mis 3 ans pour avoir notre fils, hein, donc je sais que dans la vraie vie, ça marche pas du premier coup. Ça serait trop bien, hein, mais non. Alors, bon, ils ont fait cric-crac. On ne sait pas si ça a marché. On verra ça dans quelques temps. Trévis. On va voir si du coup en faisant. Mais il me semble hein, qu'en leur faisant faire du sport, il va sûrement perdre un peu du bidou. Elle, par contre, elle a des fesses. Beyoncé, les cuisses et le cul, hein. Non, non, pas Just Dance, arrêtez. Va lui faire faire un test pipi. Oui, je sais qu'on peut faire ça maintenant. Mais regardez, on dirait un petit genou là, comme ça. Ah, il galère. En plus, il ressemble trop à mon chéri, un peu, je trouve. Là, il va se dire. Il a un petit ventre comme lui, tout pareil. Il lui ressemble trop. Il va me défoncer. Ah, t'as repris la faute. Ah, j'ai même pas vu la faute. Je la vois quand c'est toi, mais quand c'est les autres, je vois pas. J'ai la faute sélective. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Attendez. J'ai fait mourir de sorcière, arrêtez. Mais elle est folle. Attends, elle. Attends, la frayeur. Mais arrêtez, j'ai trop peur. Je comprends. Arrête, Nina. Elle va pas bouffer ça quand même, c'est cramé. Ah, qu'elle était normale. C'est normal qu'il y avait. Non mais. Oui, normalement j'ai des détecteurs. Le pire, c'est qu'avant que j'ai entendu un coup de klaxon, mais j'ai pas. Bon, ok. Ok. Manger, on va faire passer un peu le temps. Monsieur Moustache, où es-tu? Il dort. La télé, il se faisait des trucs chelous à la télé. T'es sûr que ça vaut le coup d'avoir un gamin s'ils font cramer la bouffe? Je suis pas sûre. Hein. Ça se trouve, je pense que c'est que maman et les services sociaux ils peuvent venir chercher le môme. Ça peut être un truc qui me pend au nez tellement que. Voilà. Tellement que je fais pas gaffe au truc et tout. Allez, moi je panique à mort, vous allez voir, c'est horrible. Hein. Dès que je vois une flamme ou un truc suspect, je panique à mort. Est-ce qu'on va mettre fin au suspense? Moi je pense que ça marche du premier coup. On va voir. Attention. C'est la révolution là, pour ce stream. Hein. Ah, elle veut pas que le chat il soit là. Vous avez vu son petit rire gêné? Va voir ailleurs si j'y suis. Faut que je fasse pipi sur le bâton. Il faut que je te parle. Bah viens me parler. Oh, manger pour deux. Nina est enceinte. Oui. Viens me parler, Arnaud Pirouel. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est enceinte. Ah, elle lui annonce. Ah, je crois que ce n'est pas que du gras, le bidon. Oh, merci, Garfanchon. Ah. Oh, punaise, ils vont avoir un gosse. Que se passe-t-il? Alors, attendez, je coupe le micro 2 secondes. Apparemment, il y a un secret des.
J'étais pas obligée de couper le micro pour que tu m'expliques ça. Alors, va falloir commencer à faire des petits achats pour la pièce qui est ici, pardon, hop, qui est la chambre. Elle est trop belle, la bibliothèque. Je l'avais trouvée trop belle. Il a encore peur d'un truc. C'est sous le canapé, il y a un truc. On va appeler Gus DX et il va venir voir ce qu'il y a sous le canapé. Je sais pas ce qu'il y a, mais. Attends. Il est tendu. Qu'est-ce qui se passe? A besoin de jouer aux jeux vidéo. Ben, vas-y. Sport incroyable. Ah, il allait manger. Il allait manger un truc moisi, on est d'accord. Et le chat qui fait comme chez lui. Peut-être des jumeaux. J'ai jamais eu de jumeaux, dites-vous. J'ai joué à plein de Sims différents, machin et tout. J'ai jamais eu de jumeaux. Il neige! Il neige! Il neige! Regardez le gros flocon! Il neige! Alléluia! Il neige! Oh, j'ai l'impression qu'il neige pour de vrai chez moi. Oui. Vous ne rêvez pas. Il neige. Regardez. Voilà comment assouvir. Assouvrir. Assouvir. Assouvir. Voilà comment satisfaire mon envie de neige. Jouer aux Sims en hiver. Alors du coup. Oh, ça va recouvrir le sol et tout. Oh punaise. Je suis en transe. Du coup aujourd'hui. Neige, douceur et éclaircie, prévision neige. Qu'est-ce elle s'est coupée. Oui, aïe. Ok. Ok, très bien. Ah, le courrier a été distribué. Dites plutôt les factures, hein. Nina. Ah, Nina, elle est contente parce que. Deuxième trimestre dans 14 heures. Oh là. Pourquoi ça passe aussi vite pour nous? Hop, 888! Oh my god. Le sol commence à blanchir ou c'est moi là? Commence à blanchir là. On est d'accord. Monsieur Moustache, il a un métier ce super chat? Non, je pense pas que les chats. Si je dis pas de bêtises, je crois que les chats ne peuvent pas avoir de métier. Hein. La maison pue. La maison pue. Ah non, Trévis pue. En fait, les nuages verts, c'est Trévis. Je rêve. Oui, j'avais regardé, on est le jour 2 sur 7 de l'hiver. Je regardais tes vidéos sur YouTube, ça fait du bien de te voir jouer en live en plus. J'essaierai de remettre les rediffs sur YouTube. Oh, regardez. Je sais, là, j'imagine bien une grande baie vitrée. Bon, là, c'est parce qu'il n'y a pas les murs, mais une grande baie vitrée où tu es sur le PC et tu vois la neige qui tombe comme ça sur le jardin. Ce serait pas trop beau en vrai. On pourrait le faire, hein. Je sais pas s'il y a genre des portes-fenêtres. Enfin, quoi que ça donnerait dans le vide là, mais. Oh! Oh! Stop, stop, stop! Va engueuler ton chat! Mon dieu! On va se calmer la nouille! Ah, Nina a ramené des sous! Elle a réalisé une fantastique performance, trop cool! Par contre, elle est. Je suppose, hein, oui, bah oui. Ah, j'aime pas, ma vue c'est dans ce sens-là. Est-ce que vous avez une vue préférée quand vous jouez aussi? Prendre un man mousse, allez. Ah, il a appris à pas faire ses griffes sur les meubles. Donc il le fera plus normalement, c'est cool. Imagine, elle couche pour. Elle couche. Elle l'accouche pour Noël, je pense pas. Donc fête de l'hiver, je pense c'est Noël en fait. Ils appellent ça fête de l'hiver, peut-être pour que ce soit pour toutes les religions, je sais pas en fait. C'est. Ouais, c'est trop beau avec la neige. Et ça, c'est quoi? Journée des farces. C'est quoi, Mardi Gras? Journée de l'amour Saint-Valentin? Fête des récoltes, c'est Halloween, je crois. Ça se trouve, elle va accoucher pour Noël. On va l'appeler Noël. Juste devant la maison. Oh oui, on adore. Ouais, genre, oh, le temps qu'elle arrive avec son gros bidon, lui, il a déjà fait la moitié du bonhomme de neige. J'adore regarder. Oh, c'est trop beau, j'adore. On s'y croirait, franchement. Ah non, non, ok, non, non. Excuse-toi. Va dormir. Va dormir. Elle fait à manger avant encore me. C'est quoi? C'est un truc qui se cuit ou pas? Non, c'est bon, salade, normalement. Elle mange super sainement depuis qu'elle est enceinte. Je vous fais acheter des trucs, quoi. Elle va la manger où parce qu'il n'y a plus de place? Ah ouais, non, mais moi j'aimerais trop avoir toutes les extensions, mais bon. C'est ça a un coût. Regardez. Oh!
C'est trop beau. Prépare vite la chambre de bébé. Ah mais merde! Mais oui! Merci! Merci Charlens. S'il y a une durée pour le rediff, je crois. C'est vrai qu'il y a une durée? Mon assistant me dit qu'il y a une durée. Mais non. Genre elle s'efface pas au bout d'un moment. Au pire, ça sera sur YouTube. Mon assistant va m'aider à les mettre sur YouTube. Chambre de bébé. Oh, on n'a pas beaucoup de thunes, j'espère que ça coûte pas cher. Pause, on fait la chambre de bébé, on attend que bébé naisse, et après, dodo. Enfin, dodo, je vais être obligée de couper le stream. J'aimerais bien continuer, je suis à fond dedans, ça y est. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, mes thunes sont limitées, je vais pas pouvoir trop acheter de trucs. Mais ça doit pas coûter trop cher. Faut déjà que j'arrive à trouver. Hein. Enfant. Normalement, on est... C'est quoi ça? Des stickers? Oh! Sticker Mickey. Ah, c'est le chien qui s'appelle Mickey. Ouais, non, mais les Sims, ça donne trop envie d'y jouer. On va mettre jaune. C'est ma couleur préférée. On va le mettre où? J'aime bien mettre les trucs dans les coins. Allez, là. Attendez. Ah, on peut le mettre comme ça. Ah, mais ça faut au milieu de la pièce. On va le mettre là. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Chaise haute, on va pas en avoir besoin tout de suite dans la cuisine, ça. Oh, oh, le truc énorme. Ah, j'ai bien fait de pas voir la suite. C'était vraiment pas... C'est vrai, j'ai pas vu. Merci. Merci à mon chéri qui fait du tri. J'ai pas vu. J'essaye de lire vos messages, mais là, quand je vois... Je lis pas quand c'est des merdes. Le truc énorme, on va peut-être pas mettre. Oh, il est trop mignon, lui, quand même. Et ça, c'est quoi, un dinosaure? Ah! Je m'attendais... Parce que là, on croirait que c'est gros quand c'est en bas. Je m'attendais à avoir un truc énorme. Là, le truc rikiki, quoi. N'importe quoi. Arnaud Prise. Non, mais ouais, The Nounours, quoi. On a la papuche. Énorme. Non, on va pas mettre un truc gros, quand même. C'est quoi, ça? Ah, oh, on dirait... Merde. Elliot le dragon, là. Oh, j'adore. Je sais pas quoi mettre, du coup. On met quoi? Clébar, câlin? Genre, ils l'ont appelé comme ça. Est-ce qu'on met le petit chat? Là, ou le Blarfi? Est-ce qu'on met le nounours, là? Celui-là? Ou le chat? Allez. Aidez-moi dans le chat. Si vous voulez parler dans le chat, inscrivez-vous à Twitch, faites-vous un compte et après vous allez pouvoir participer. C'est la base, t'es dit l'ours, ouais, j'avoue. Bon, allez, on met l'ours. J'ai pas compté, mais on changera sinon. Nounours, allez, nounours. On va le mettre où? À côté du berceau. Ça fait peut-être peur, non? Oula. Ah, j'ai pas activé le mode pour pouvoir déplacer mieux. Merde. Je le ferai pour la prochaine partie. On le redéplacera. Coupons la parole de le dragon. Le truc a rien à voir, quoi. Le dragon, il est beau, j'avoue. Hein. Ouais, il y a déjà un chat dans la maison, c'est vrai. C'est vrai, le dragon, il est super beau. Oh, on change. Il y avait des couleurs pour l'ours? Oh merde, il y avait des couleurs. Ah ouais, mais non. Les couleurs normales. Ok, et on va mettre quoi d'autre? Parce qu'il faut qu'on avance vite fait. Des cubes, c'est trop mignon. Ah ouais, ils sont petits. Ouais, on peut mettre... Ouais, de toute façon, le gosse va bien grandir. Des petits cubes, ça fait genre... Il y a un peu de vie dans la chambre, quoi. Peut-être pas dans la piole, le pot. Peut-être dans la salle de bain, quand même. Hein. Ouais. Bienvenue, Luciole. Merci pour ton follow. Les ronds colorés, c'est un tapis. C'est vrai? Ça, c'est un tapis? Ouais, c'est pas mal. Oh, comme ça, c'est beau. Le multicolore est beau, on est d'accord. Mais, après, il y a quoi? Bon, ça fait un peu triste tout. Ça, c'est pas mal. Avec le dragon, ça irait trop bien. On va mettre ça. Oh, c'est pas mal, les bulles colorées, comme ça. Allez. Ah, ça met tout de suite un peu de couleur. Lui, il est pas mal. Allez. En plus, il y a plein de choix de couleurs. On peut mettre quoi? Oh, c'est... Oh, ça va trop bien avec le tapis. Ça, c'est joli. Ça fait un peu...
Il ressemble à celui que j'ai à la maison, alors j'aime bien. Ou alors un comme ça. Attendez. Parce que, et c'est bien beau de blablater, mais il faut avancer un peu les enfants. Donc Nina accouche et après on va aller faire dodo. Oui, voilà, mon chéri me le dit. Demain, un boulot.